Ok. C'est parti les gars. Ok. Petit peu mon poteau, je m'égare, je dis va comme un alcoolo sur un compète. Je vais faire bouger toutes les têtes de ma zone, Castelnoir, rue Georges, serre pas trompette. 9 mm, pas de gonflette, rue c'est la roulette, kiffier sur la tête, marocaine boulette, Mercedes doublette, gonfle pas les pecs, nous on saute à 10 sur la tête. Les petits du hood ont déjà chargé les glocks, la drogue dans les couilles c'est pour quitter le bloc. Ça glisse en bas des tours et la police veut du renfort. Remballe tes beaux discours, y'a du produit dispo. C'est de la cesse en cristaux, là c'est d'être en cristaux. T'inquiète, c'est du costaud, la patte sur une passe B. Clippé dans un classe A, j'en veux pas ta passe B. Qu'est-ce qu'il y a? Bad boss. Ok, y'a l'ami. Parle pas de nos futurs, j'en ai fait de l'effriture. Tu me reçois très bien, je sais qu'il n'y a pas de friture. Bientôt 40 puis j'ai passé le plus dur. 20 balles passées dans le shit et les bitures. La roue tourne pas, attends pas ton tour. Y'a pas de premier et y'a pas de concours. Je rappe pour mes frères, j'attends pas le prix Goncourt. Quitte à réussir à la Rocancourt. Dedans c'est la merde, mais tout arrivait pas à gros. On vit la vie de rêve, t'as zeno, tu crois gros. C'est pour mes criminels, pour mes petits Pablo. Okay. Y'aura pas de trêve, on veut le haut du tableau. Si t'as fait le traître, on va faire tourner ta go. Bad boss. Caca. La patte. ROH. Qu'est-ce qu'il y a? J.O.H. Kairashnikov, l'ami. Allez. Boy. Yes. Osman, le frère. Le nombre à la lumière. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai Bad Boss, la famille, PNPV. Okay. Bienvenue à vous, les amis. Ah, merci, merci, merci pour l'accueil. Alors déjà, on va commencer par Bad Boss. Bad Boss, la famille. Voilà. Donc, comme un petit peu tous les artistes qui fréquentent le studio le savent, Bad Boss, c'est la famille qui crèche ici, qui vit ici. Ok. C'est celle qui justement travaille constamment ici. Et Bad Boss, c'est pas le studio. Le studio, c'est PNPV. Ouais. Par nous, pour vous, c'est un studio. Juste, on reçoit tous les styles de musique, tous les genres. C'est un studio d'enregistrement, un studio de prise de voix. Ouais. Et ensuite, ici, dans ce studio, on a la famille Bad Boss, qui est constituée d'une multitude d'artistes. Ouais. Et d'ailleurs, je demanderai pardon à ceux que je vais pas énumérer ce soir. Il n'y a rien de voulu. Prenez rien de mal. Et puis, donc voilà. Sur ta droite, tu as Hicham Lapatte. Yes. La pâtée. Pourquoi se plaindre, on n'est pas des clochards. Bunks, écoute nos voix dans les baffes. On te connaît, quand tu dois tu te caches. Même si je boite ma musique, faut qu'elle marche. Posé dans la cage quand tu caillais. On rêvait de cash et de Cayenne. Dès le démarrage et moi Ayen. Je crois bien que le mal est fait. Malin, on ira les faire. Un matin, on ira les faire. Malin, on ira les faire. Bang, bang. Y'a le frère Etaf avec qui est-ce que j'ai monté le label Bad Boss. Mais regarde le ghetto dans les yeux, je suis la fierté des vieux. Oula, dernière cartouche dans la roulette. Rétaf, pas de boss. Kairashnikov, d'ailleurs, qui fait partie de mon groupe Kairashnikov, on est nous deux dans le groupe. Qu'est-ce qu'il y a? K-E-S-K-Y-K. Les gens sont perdus, on va les trouver. Avec ce que j'ai vécu, j'ai plus rien à prouver. Même éprouvé, la rue m'a approuvé. Vous êtes nés hier, pourquoi vous l'ouvrez? Je suis pas fainéant, mais demain c'est le néant. Achète ta maman, je vais te donner de l'élan. T'es loin d'être un talent, donc retiens bien ta langue. On est tous unis, mais personne se mélange. Bad boss, qu'est-ce qu'il y a? Et Kairashnikov, donc justement, c'est ça le label Bad Boss. Et dans le label Bad Boss, il y a aussi la famille J.O.H. Ouais, du 06. On est là. Parlez, y'a personne qui m'atteint. J'ai trop faim, j'ai la dalle, je vais tous me les faire. Dans ma vie, je suis connu, J.O.H. y'en a qu'un. J'attends le flop et je vais miser la quinte. J'ai rien faire d'autre à part couper la quête. Rapper ma vie, ça rapporte pas d'oseille. J'ai pas le flow qu'ils veulent pour faire bouger la tête. Qui travaille maintenant ici au studio, avec qui est-ce qu'on échange vraiment dans tous les styles, aussi bien dans les ateliers qu'on mène ici, aussi bien dans le rap, aussi bien dans tout quoi. Et c'est de la famille. La famille avant tout. Voilà. Ça fait plaisir en fait, l'idée du studio, du mélange avec le label. Ah oui, ouais, ouais. L'idée et tout. Ouais, ouais. Ben, le délire, c'est quoi? C'est qu'après, vu que c'est un studio de prise de voix, ouais. On rencontre une multitude de styles, ouais. Une multitude de personnes. Donc, obligatoirement, il y a des échanges, il y a des personnes qui viennent à nous plaire, d'autres moins. Et ensuite, voilà, il y a des relations qui se créent, il y a des projets qui se constituent, et puis de fil en aiguille, voilà, il y a des. Non, c'est bien, c'est vaste. C'est ça qui est terrible. Ah bah super, en fait, le studio se trouve où exactement? Le studio, il est à la périphérie de Garesie, pardon. Ah ouais. Et il est en plein Dijon. C'est pour ça qu'on invite vraiment tout le monde à venir au studio. On n'est pas fermé, c'est pas le studio des Garesie, c'est pas le studio de qui que ce soit, c'est un studio d'enregistrement. C'est un studio où est-ce que justement, on invite tout le monde à venir, toutes les personnes qui ont envie d'enregistrer, toutes les personnes qui viennent pour les ateliers d'écriture, toutes les personnes qui veulent créer une activité artistique, voilà pourquoi est-ce que le studio justement a été créé. On les invite à venir justement échanger avec nous et puis venir dans notre studio tout simplement. Okay. Alors les artistes qui ne sont pas forcément des rappeurs, qui veulent peut-être qui viennent avec des essuis, des beatmakers. Voilà, donc je sais pas. Il y a pas seulement les beatmakers. Tu peux avoir des personnes qui travaillent aussi bien dans le graphisme, qui vont travailler avec nous sur les clips, sur les vidéoclips ou bien sur d'autres projets. Par exemple des courts-métrages qu'on sera amené à faire. Mais il y a une multitude de branches. Donc l'activité artistique, c'est aussi par exemple la création d'événements, par exemple. Donc on va créer un événement pour faire en sorte d'en faire une scène tremplin pour les jeunes qui fréquentent le studio, etc.
Et il y a une multitude de choses qui se sont faites, et une multitude de choses qui vont se faire. Et on va reprendre aussi bien les choses d'avant qu'on va vraiment mélanger avec les projets à venir. Okay. Est-ce qu'il y a eu une production, je sais pas, un album? Oui, bien sûr. Au juste, ce studio-là, on l'a monté en 1998. D'accord. Avec Younes El Razi. C'était l'association Grèce Innovation. Et on a fait ça, on était des minots entre nous, etc. Moi, je l'ai repris au nom de PNPV en 2007. Ça va faire maintenant 13 ans qu'il est au nom de PNPV, où est-ce que vraiment il y a eu les projets qui en sont sortis en 2007. En 2006, on a sorti le projet Premier Rapport. Premier Rapport, ça a été le premier projet pardon, qui est sorti vraiment en indépendant total. Et on a sorti ça vraiment fièrement. On en était vraiment bien et puis Dieu merci, on a eu un bon retour. Et par la suite, il y a eu des compilations qui se sont faites, on a été invités sur divers projets, etc. Il y a eu pas mal d'échanges. Et maintenant, on est plus sur les tournages de clips, par exemple, pour la promotion à travers l'audiovisuel. C'est vrai que c'est un impact différent, donc on mise plus aujourd'hui là-dessus. Donc on fait de la création de morceaux, mais ensuite, on a envie de faire du clip pour pouvoir justement se promouvoir à travers les réseaux sociaux. Ok, bah, super, parfait. Le frérot Reta, avec qui j'ai monté le label, yes. Et qui me suit depuis toujours, qui a été là depuis le début. Si, ok. Alors, si tu veux rajouter quelque chose... Non, tout est dit, hein. Tout est dit. Ouais, parce que là, je sais que le studio, c'est en fait le label studio, il y a forcément des difficultés, il y a eu des hauts et des bas, tu peux nous en parler un petit peu. Ouais, pas plus de bas que de haut, heureusement. D'accord. Après, voilà, ça fait son chemin, hein. D'accord. Donc, c'est tout, moi, rien à dire de plus. Okay, okay. Ah, pas de soucis, ok. D'accord, ok, on va peut-être demander à quelques MCs de nous balancer un... Très, très bien. De freestyle. Puis... Avec plaisir, mon frérot. De toute façon, on est là pour ça, c'est un studio d'enregistrement. Ouais. Et on invite vraiment tout le monde, les rappeurs, les rappeuses, les chanteurs, les chanteuses, les personnes qui sont dans le graphique, les personnes qui sont dans la création vraiment artistique. On vous invite tous et toutes à venir ici au studio et à venir échanger avec nous. On est vraiment ouverts. Donc voilà, l'invitation est faite. De l'ombre à la lumière. Merci frère. C'est la même lame pour palafrer la gueule ou pour couper le bloc. Bien, je suis en zone de choc. La tête c'est dur comme la taupe contenue dans le bout de sac. Mon ghetto reste un cul-de-sac. Wesh les rappeurs, allez niquez vos mères et venez chez nous qu'on vous braque. À la cité je connais des millionnaires qu'on bicrave toute leur vie sans parler. Sans parler. Quand tu nous sors une arme niaise dans tes clips, mais dans la cave tu vas t'emballer. Car tu et ne nous regarde pas dans les yeux. Nous on attend que ça pour te démarrer. Au QG la juge nous fait plonger. J'ai appris à nager dans un raz-de-marée. Donc je prends pas les reins, je suis ce petit du terrain qu'a laissé ses rêves au mitard. Je regrette rien, c'est pas avoir percé dans la grande délinquance. Toujours partant pour un pif, une bagarre ou un règlement de compte. Mon entourage te dira qu'à la place de mon cœur, c'est une cartouche de pompe. Bam, bam, bam. Alors, juste en dehors du studio, est-ce que vous faites des scènes des fois ou je sais pas des... Ça nous arrive, ça nous arrive. D'ailleurs, on en a fait une dernièrement. C'est ou bien on est invité. Après, sur Dijon, malheureusement, le rap dijonnais, c'est où tu fais ton événement toi-même ou très peu de gens t'inviteront. Pourquoi? Parce que c'est un cercle très fermé. Il y en a, ils sont constipés du cerveau. T'en as d'autres. Ils affabulent, c'est-à-dire que Grézy, pour eux, c'est dangereux. Alors qu'on est là pour faire du rap, c'est sur la technique qu'on va parler, sur un public qui va être très réceptif, etc. On n'est pas là pour faire d'un concert un match de catch. Super. Et donc, on a été répertoriés, étiquetés dans ce style, ça nous enlève pas les poils du cul, personnellement. Et on est toujours invité par les vrais, par les personnes qui veulent du show, etc. C'est vrai qu'on est toujours là présent et on donne le meilleur de nous-mêmes sur scène. Et c'est ce qu'on aime en plus. La meilleure des prestations à faire, c'est pas dans une cabine, c'est devant le public. C'est quand tu tiens le micro et que t'es là en train de faire ton style one shot, direct, que tu fais plusieurs techniques, etc. Là d'accord, là tu pèses quelque chose. Et là tu te mets en valeur. Il n'y a pas de vocodeur derrière, il n'y a rien du tout. C'est toi, ton public et ta voix. Ouais, ça c'est bien, j'aime bien, ouais. Ok, alors est-ce que ça vous arrive des fois aussi de faire des featuring avec d'autres artistes venant d'ailleurs ou pas? Mais écoute, ça nous est arrivé de faire dans différents styles, bien sûr. On a fait des morceaux d'ailleurs, j'ai sorti un clip là en décembre, le 25 décembre, le jour de Noël. C'était cadeau, j'ai apporté un petit peu de soleil. Et le morceau, je l'ai tourné au bled, c'est pour ça que je dis ça. Et le clip, je l'ai appelé bled, c'est qu'est-ce qu'il y a bled, allez le voir, ça ferait plaisir. Et donc dans ce clip là, il y a une personne qui chante d'ailleurs en rail dedans. On va vraiment tout mêler. J'ai travaillé avec Full Sight, lui est dans le raga, etc. Non, on est vraiment ouvert à tous les styles, bien au contraire. Si demain il faut faire de la salsa sur un beat qu'on ressent bien, etc. Et puis que la personne qu'on a en face, ses textes sont sensés, etc. Bien sûr qu'on peut que échanger. D'accord. C'est sûr et certain. Ouais. Tu peux juste nous montrer qu'est-ce qu'il y a, comment ça s'écrit et... K-E-S-K-Y-A, l'ami. Ouais. B-A-D-B-O-S-S. R-E-H-T-A-F. J-O-H. La patte, je vais pas les plaies, c'est trop long. Dédicace à tout le crew, yes. À toutes les personnes. D'accord. Et je voulais dire aussi, n'hésitez pas à donner de la force aussi là. Il y a le clip Moula en ligne. Okay. Suivez ça. Ouais. Et puis on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour que ça vous plaise.
comme, comme le blast de l'association LG, c'est par nous pour vous. Donc suivez-nous. Il n'y a pas de souci. Ben les gars, merci. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, Inch'Allah, que même ton émission elle puisse passer de l'ombre à la lumière. Parce que t'es vraiment vrai, t'es vraiment vrai. Tu fais les choses bien. T'es simple et humble. Merci à toi d'être venu nous voir. Merci, frère. Et c'est dans les échanges qu'on peut petit à petit avancer. Sérieusement, ça fait un grand plaisir. Si je sais pas si ça vous dit, vas-y, qu'on fasse un dernier freestyle. C'est parti. Ok, allez. Et dédicace à vos frères Khalton. Toujours là. Levé aussi. Le bouquet. Ok. Ok. La colère escalme, ses yeux elle bombarde. Toujours les mêmes gars ici, vas-y bombarde. Bon garde, que mon rap combatte pour qu'on gratte, qu'on craque, qu'on braque. Bombarde, vas-y cours, 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 t'es un bon gars. Oui j'aime les discours courts, dis pas que les tours courent. On aura la victoire, sera la trousse de secours. On veut goûter la vie de gloire, bombarde. Et remarque la NG, bombarde, en bolide AMG. Bombarde, si tu viens d'émerger, c'est grésille la rue. Et vas-y bombarde, bombarde, bombarde. Speed comme le Concorde, gros y'a pas de mots d'ordre. Gros sur sa Concorde, c'est une bombe hard, vraiment. Aucun doute sur la nature, c'est une bombe retardement. J.O.H. Ouais. Et la famille. Ok. J'ai rien dans les poches, le sort, je suis sous William Peel. Y'a tout dans le pochon, c'est le joint, y'a du Grand Peel. Ok. Je te mets dedans, c'est pas pour toi la crapie. C'est là pour mes rapides, mon rapide t'es rapide. On t'écoute si t'es pas ensemble, que t'es rapide. On présente 4-40, on est la bande des lapides. C'est pour mes frères en chier, comme j'ai dit de pas lâcher. On arrive aux 3 anciens qui portent de l'huile de calaché. Pour l'instant, j'ai pas le choix. Bad boy. En plein freestyle studio, de l'ombre à la lumière, l'ami. Avec le frère REH, toujours là, frère. On va rafaler là. KRHNIKOP. Comme le phénix, on redonne nos cendres. Poto comme Biarritz, ils veulent nous descendre. Kayas le scénic, vu ce qu'il est décentré au mur boutarique. Champollion le centre, les mecs déterminés et les petits du terrain. En I, sur un T-Max, un R1. Lève ton fusil, baisse pas les bras, mais lève pas les mains. 21 Mugrési, on glisse sur un, à 3-4 sur un. Ou en tête à tête, je suis serein. Migrable le venin, pas qu'M série 1. Tony, M. Carlito, le parrain. Mentalité de Farsa, tout d'accord, on force. Des faces, comme au Barça, comme en Corse. Besoin de rien ni personne, à part pour une Larsa. Mon A, plus c'est pas de boss. Ils ont oublié qu'on sortait des avocats, Bicrave la meca pour payer l'avocat. Ils font les bandits, les youvois, mais j'en ai vu très peu le rester devant le canon d'une pushka. J'ai de la haine à vendre au détail, envie de représailles et passer mes nerfs sur un keuf zélé. Tout ça pour faire les incontes, nique ta mère si tu te jettes dans la mêlée. La rue nous a ensorcelés, lève ta moto et vide ton arme à feu. Apologie du crime ou abus de fierté, appelle ça comme tu veux. Mais regarde le ghetto dans les yeux, je suis la fierté des vieux. Ou la dernière cartouche dans la roulette, rétaf pas de boss. Crazy. Que des bonhommes, pas des pas zoulettes. La galère a fait qu'on en a cassé le banc. Sans salaire on en a laissé passer le temps. Faudra que tu payes si tu veux nous passer devant. Un conseil, joue pas la belle ou viens nous masser le gland. Casse des deux grands avec du cran. Qui ont les pros, 5-1, c'est nous les pros. Bad boss, on les pros. Studio c'est un bézodrome. Je veux pas que ça plaise au môme. Je veux faire les 100 patates avec un économe. Un bonhomme, je suis un infirme qui t'informe qu'il faut que tu te la fermes devant l'uniforme. Tu peux devenir parapégique si tu sais parapégique. J'arrête des carrières en un clip. Demande à ma clique qu'avoir du détail dans le slip. C'est plus pratique qu'avoir une ceinture en plastique. Nous le mal on le pratique. Pas de poste l'ami. La patux. REH. Qu'est-ce qu'il y a? JOH. Yes. Dédicace à Khalton, à Nawel, à toute l'équipe Bad Boss, à Arcos, à tous ceux qui sont avec nous, à Yazid d'ailleurs dans l'ombre, à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Merci à toutes et à tous. Et désolé pour ceux que j'oublie. De toute façon le cœur y est. Bad Boss, de l'ombre à la lumière.